Un cambrioleur recherché utilise Snapchat pour se faire appréhender. Dimanche, les autorités de Fairfield dans le Maine ont arrêté Christopher Wallace, âgé de 24 ans. Le fugitif a utilisé une application de smartphone, celle-ci s'appelle Snapchat. Cette application vous permet d'envoyer une photo avec une limite de temps de visualisation. Elle est censée disparaître au bout d'une à 10 secondes. Christopher était recherché par la police pour avoir volé deux cuisinières à gaz de camping à Pierce Pond Township en janvier. La recherche du voleur a commencé à tourner en rond pour les enquêteurs jusqu'à ce que Christopher utilise Snapchat pour envoyer un message à l'un de ses amis pour lui dire qu'il était chez lui à Fairfield. Immédiatement après avoir reçu le message, son ami appela la police pour lui dire où était Christopher. Deux shérifs et deux brigadiers se sont rendus au domicile de Christopher dimanche soir. C'est Erika qui ouvrit la porte pour accueillir les agents de l'ordre. Ceux-ci commencèrent à fouiller la maison comme des malpropres. Dans un premier temps, ils n'ont pas trouvé grand-chose jusqu'à ce qu'ils reçoivent un autre tuyau du même dénonciateur. Cette fois, Christopher avait utilisé Snapchat pour révéler qu'il se cachait dans une armoire. Un peu plus tard, les autorités ont publié une photo de Christopher sur leur page Facebook. Christopher a été retrouvé dans l'armoire pour ensuite être placé en état d'arrestation. La police a également arrêté Erika Hall pour entrave à l'appréhension. Christopher, qui apparemment ne sait pas jouer à cache-cache, fait maintenant face à des accusations de vol aggravé et risque une lourde peine pour son cambriolage.